Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire des miniatures super stylées grâce à un site complètement gratuit qui vous proposera un énorme panel de miniatures. Salut tout le monde, c'est Lord Hydra et on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des miniatures super facilement. Alors pour ça, il va falloir aller sur Pixar. Je vous mettrai le lien de téléchargement en description si ça vous intéresse. Alors, vous lancez tout simplement l'application comme ceci, et vous allez voir, c'est très très simple. Il y a des miniatures complètement gratuites que vous allez aussi pouvoir personnaliser, pouvoir créer. Alors, je vais vous montrer quelques fonctionnalités de, de ce logiciel, alors qu'il y en a vraiment beaucoup. Vous pouvez faire des miniatures à l'infini. Alors, maintenant qu'on est du coup sur le logiciel, on va attendre que ça charge un tout petit peu. On se retrouve juste après. Alors, voilà, une fois que vous êtes sur le logiciel, pour avoir des miniatures franchement libres de droit créées par d'autres gens, vous allez dans Recherche. Vous euh, marquez une recherche, par exemple moi j'ai que marqué Brawlstar, voilà juste pour tester un peu euh, les différents choix qu'il y avait. Du coup, vous cliquez, euh, vous, euh, vous pouvez prendre ce que vous voulez, et là vous avez vraiment plein de miniatures super stylées. Franchement, vous en avez plein. Vous avez vraiment... Un énorme choix, franchement, plein de choses. Et puis, si vous voulez pas forcément faire que des miniatures, vous avez aussi des logos. Alors, moi, j'en ai déjà un. Mais si vous voulez un logo, ici, vraiment, il y a plein de logos. Vous en avez. Franchement, je crois que c'est le truc y a le plus. Vous avez des choses, franchement, des fonds. Il suffit tout simplement de télécharger une autre application euh, de montage pour euh, miniatures. Vous allez trouver ça très facilement sur Play Store ou App Store si vous êtes sur iPhone. Et du coup, ça, c'est plein de fonds, des images que vous allez pouvoir utiliser. Du coup, là-dessus, on sent des captures d'écran. Enfin, voilà. Ensuite, on peut rajouter, je ne sais pas, par exemple, pack opening. Et on, peut, on va voir un petit peu ce que ça va nous proposer. Alors là, par exemple, il y a un petit peu moins de choix. Vous voyez, il y en a quelques-unes, on a ça. Et là, on a source. Et en gros, source, c'est ce qu'ils ont utilisé. Du coup, vous pouvez prendre. Voilà, vous pouvez utiliser ça pour faire vos miniatures. Tout simplement pour créer vos miniatures, c'est ce qu'ils ont utilisé. Ils ont utilisé une flèche. Ils ont utilisé, utilisé du coup. Ce, cette image de Brawler et puis ils ont, ils ont mis un effet comme vous pouvez voir ici voilà euh, qui le rend en effet un peu galaxie un peu secret on va dire voilà du coup vous en avez d'autres alors pack opening euh, Brawl Star il y a un petit peu moins de choix mais franchement vous en avez des plutôt pas mal et puis vous pouvez les remixer hein, tout simplement vous avez produits similaires voilà. alors ça par contre il n'y en a pas beaucoup puisque vous avez pu voir que dans pack opening il n'y en a pas grand chose mais si on fait quelque chose un peu plus vague enfin voilà quoi vraiment vous en avez beaucoup Ensuite, ici, vous avez Autocollants, c'est-à-dire que quand vous allez créer euh, des miniatures, tout simplement, je vais vous montrer ça juste après, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir utiliser ces autocollants-là, par exemple des Gems, Brawl Stars. Euh, là, vous avez le Nouveau Brawler, ce qui est un peu euh, le plus utilisé. Vous descendez, vous cherchez ce que vous voulez, voilà. Des petits autocollants que vous allez pouvoir ajuster pour vos, vos miniatures. Ensuite, on a les Artistes, ici. Alors, ça va charger un petit peu, en gros, les Artistes, c'est les personnes qui, qui font tout simplement des miniatures. On va aller, par exemple, sur cette personne, je ne sais pas trop qui c'est. Vous pouvez voir les publications qu'il a fait. Si vous avez des artistes que vous aimez bien, vous pouvez les suivre et voir un petit peu ce qu'ils font. Ils peuvent créer des autocollants, ils peuvent créer des miniatures, ils peuvent créer plein de choses et vous voyez un peu si vous aimez ce qu'ils font. Et pour créer vos miniatures, vous appuyez sur le plus en bas au milieu de l'écran. C'est très simple. Le site, il, va vous, il a une espèce de tutoriel. Il va vous indiquer euh, ce qu'il faut faire. Vous allez pouvoir faire des miniatures très très facilement. Et avant de terminer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Et à la partager si jamais vous voulez montrer à des amis comment faire des miniatures très facilement. Et c'était leur Hydra, Ciao